D'accord, vous finissez. L'apôtre Jean Tchéti, pas le pasteur Jacques. L'apôtre Jean Tchéti va faire la prière de la foi. Pasteur Jacques va faire la prière de la foi. Shalom, shalom. Shalom. Je suis la sœur Marie. Je viens de la France. Je suis allée hier. En 2020, j'ai regardé le témoignage de la sœur Déborah qui parlait de Noël. C'était la belle en décembre. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, c'est la vérité. Et la petite fille dit, l'Esprit de Dieu dit, c'est la vérité. Et amen. J'étais triste en ce moment-là parce que, en France, là-bas, tout le monde, quand on dit Noël comme ça, tout le monde est en Noël. Chrétien ou pas chrétien, tout le monde. Je me suis dit, Noël, en réalité, c'est pas dit. Dans la Bible, ce n'est pas écrit là. Et pendant cette période de 2020, j'ai regardé mes enfants faire, mais je n'étais pas à l'aise. Maintenant, j'ai regardé la photo 1. Le témoignage de Raïssa qui parlait de mèche. Pourquoi parler de mèche? Et quand j'ai regardé ça, je me suis dit, ça c'est la vérité. Parce que les mèches, même quand je mets les mèches, je vais à l'église, je ne suis pas. Mais je le mettais parce que il voyait les autres, je mettais les mèches et après ça j'ai dit c'est trop dur, en cet enseignement c'est trop dur et puis j'ai zappé dessus, je suis allé laisser. Lorsque j'ai fini de faire une formation en novembre, j'ai dit lorsque je vais finir, je vais faire 2 mois et je vais déjà chercher la place de Dieu parce que Dieu m'a béni. Quand je suis arrivé en France, depuis que je suis arrivé en France, dans un pays étranger, et tout ce que je touche, Dieu bénit ça. Donc je vais prendre deux mois pour les jeunes, pour les faux jeunes, comme on dit, dans l'avoir l'âge. Donc, dans ce moment de jeune âge, quand j'ai fini ma formation, je suis allé encore sur les réseaux sociaux. En ce moment, les serviteurs de Dieu étaient avec le groupe Bénin, international du Bénin. Et par hasard, je suis tombé encore sur la vidéo de l'évangélisation au Cameroun. Et j'ai regardé le témoignage de l'apôtre Abraham sur les mèches et puis sur tout. Quand j'ai regardé, je vous assure, cette même nuit, j'ai enlevé mes cheveux, j'ai coupé mes cheveux, je me suis dépouillé de tous mes bijoux. J'ai tout emballé dans un sachet noir, beaucoup de choses, des chaussures, j'aimais les trucs plaqués, les habillements, mais quand je m'habillais, j'étais pas à l'aise. Et à l'église où j'étais, quand je vais là-bas, c'est comme si je cherchais quelque chose. J'ai pris, mais après, j'ai dit, est-ce que je suis normal ou je suis pas normal? Parce que ce que je cherche, c'est pas ça. Le Dieu n'est pas ici. À chaque fois, il dit, Seigneur, montre-moi ta voix où tu es. Dieu m'a parlé dans les songes, il m'a montré la chair, c'était rempli de plein de sachets noirs, et rempli un tas de sachets noirs, et avec d'eau d'usée, et Dieu m'a parlé. Et en novembre de 2021, quand je me suis rasé, tout ça, j'ai appelé maman Sarah. D'abord, j'ai essayé d'appeler l'apôtre Abraham, ça ne voit pas, je ne vois pas les gens. Et j'ai appelé maman Sarah, et elle m'a instruit sur les dépouillements et elle me suivait jusqu'à ce que je me dépouille complètement de tout. Et la vie de mes enfants a été radicale aussi. Dès que je suis dépouillée, mes enfants. Et voilà. Et je vous assure, ce qui m'a plu dans l'église Jésus revient, c'est déjà l'habillement, le foulard, tout ce qu'ils font. Et quand j'ai vérifié dans la Bible, j'ai trouvé que c'était clair, la parole de Dieu était claire, quoi, là-dedans. Et je suis allée voir mon pasteur et je l'ai appelé. Et je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je n'étais pas membre de l'église. C'était la famille de Dieu. Il m'a dit pourquoi. Il m'a appelé plusieurs fois pour me dire, viens, il a envoyé des gens. J'ai dit non, ce n'est pas la peine, j'ai pris ma décision que
même s'il n'y a pas l'église ici, je vais rester à la maison et je vais suivre le groupe Jésus de Dieu. Donc c'est comme ça j'ai commencé à suivre le groupe Jésus de Dieu en ligne. Je suis là, j'avais fait le baptême, le faux baptême. Donc je suis là pour faire mon baptême, la délivrance et pour aller au ciel. C'est ma sœur Tabitha qui m'a invité.